Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, aujourd'hui on se retrouve, mais pas tout seul bien sûr, toujours accompagné de mon cher et fidèle Galius. Salut Pyrux, comment ça va? Ça va nickel, ça va nickel. On se retrouve donc sur Elsword, bien évidemment, toujours avec les mêmes personnages, cette fois-ci on n'a pas changé tout de suite. Ouais. On joue un petit peu avant de vous montrer tous les autres personnages, hein, y a pas de souci. Et du coup aujourd'hui, on va tout simplement découvrir ce qu'il y a à droite de cette ville, c'est comment elle s'appelle? Le port du château de robots, voilà. Donc on va tout simplement voir ce qu'il y a. Et peut-être qu'il y aura des quêtes un petit peu farming. Ce serait intéressant qu'on vous les montre. C'est un peu des quêtes où elles sont pas forcément très très dures. Mais... ah, je crois que c'est ça en plus. C'est parfait. Ouais, c'est vraiment ça. Voir. On doit battre en fait des manchettes de fantassins, des trucs. Ah oui, il leur faut en battre 10 ou des trucs comme ça. Ouais, voilà. Quand vous savez pas quoi taper, vous tapez tout ce qui bouge. Voilà, c'est ça. En plus de monter un niveau, vous gagnez des... Voilà, 1 sur 10. Et vu qu'on est 2, ce qui est très bien. Ça fait quoi? Vous êtes 2, ben vous pouvez... cumuler en fait, vous cumulez ensemble les trucs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en gros, t'en tues un, t'en tues un. Ah oui, 2, 3, oui, c'est ça, ouais, voilà. Exact. Non, je suis parti là-bas. Alors, il faut juste que je sache qu'est-ce qu'il faut que je tue en fait. C'est les. Ah non, je crois que c'est. Garde. Alors, fantassin première verts. Classe. Les verts et les. Ah, pas les pochis, non, c'est pas les pochis. Les verts là. Ah, ils sont là. Ils sont dégus en fait. Les soldats. Ceux là, je crois, non. Attends, on va voir. Oh putain, attends, il y avait un truc. Ah non, manchette de fantassin. C'est pas celui-là. Alors, je vois où t'es. Je sais pas non. C'est bien pourtant. Je vois où t'es par contre. Ouais, j'en tue. Ah, ici il a une oula. Ah, en fait, on peut voir qu'il y a un effet de. Des fois, ils font des effets de 3D. C'est voulu, mais. Ah oui, il y a un boss, je crois là. Ah, attends, il y a un chemin par là. On va voir si on peut y aller. C'est un boss maintenant. Oh, je crois que c'est un boss. Des fois il y a aussi des boss qui popent sur les régions. Ah ouais là. Il y a un putain de boss. Boum. L'invocation du démon. Voilà, il m'a tout tué. Ah non, c'est pas lui qui fait les battre en fait. C'est lui. En fait je crois qu'il n'a pas des masses. Attends. Cours. Ah voilà, duo de bandits. Voilà, ça c'est des boss de zone. Et attention, ils sont forts. Hein. J'ai déjà essayé une fois de m'en approcher. Ils te foncent dessus, ils te défoncent, je jure. Ça déconne pas. Moi je crois. Ah, en fait, c'est chaud. Ah, mais allez, encore un. Du coup, lui il s'occupe de bas. Au moins, vous avez deux visus. Hein. Pour ceux qui veulent voir Uri et. Comment ça s'appelle? Eve. Ah non, tu parles de Illy. Ouais, Eve. Uri et Illy. Ouais, voilà, si vous voulez voir ces deux se battre contre Galius, bah allez-y. De mon côté, moi je farm pour nous deux en fait. C'est ça. Allez, ouais. Très bien. Je crois que t'as eu la quête. Enfin, on a les quêtes. Je sais pas. Ah oui, terminé maintenant, il est marqué. Bon, après, on peut s'entraîner à fond et avec l'expérience. On va débloquer un nouveau titre. Non, je l'ai pas. Alors, comme j'ai volé. Ah, j'ai volé. Il faut voler donc au pochi. Les pochi, c'est les espèces de trucs là. Oh là, mais ça pète de tous les sens, les gens. J'adore ça. Ça me rend tout fou. Ah, ils sont là, les pochi. Ah, c'est bon. Ok, alors terminé maintenant. Avant qu'ils repopent. Oh non, terminé immédiatement, pardon. Donc, on a remarqué que, en gros, ce qu'ils nous font faire, c'est que. Avant de continuer dans les donjons, ils nous font. En fait, on pourrait faire un donjon, je crois, parce que j'ai quand même la quête dessus. J'ai une quête. Peut-être qu'on pourrait en faire. Bah écoute, après avoir fait. C'est toi là? Ah oui, c'était toi. Bah, tu les as fait tomber? Fait tomber qui? T'as fait tomber le méchant. Oui, j'ai fait tomber le méchant. Enfin, je suis un peu violent, excusez-moi. Ouais. Ouais, hein, franchement, alors ça va pas. Voilà. Non, je rigole. Je cherche les beiges, s'il vous plaît. Les beiges. Non, pas les belges, les beiges. Aïe. Les belges. Je cherche les critères. Quels sont les critères? Très bien, très bien. Là, un peu formé. Bah écoute, j'aimerais que tu finisses de ton côté. Ouais. Pourtant, hein, si je fais. En fait, ce que je dois battre, c'est sur les rouges. Voilà, c'est ça. Il m'en reste plus qu'un. Il y a les sacs rouges et les sacs violets. Ouais, les sacs violets, c'est. C'est aussi, hein. Ouais, mais c'est fait, je crois. Déjà. Ah, c'est fait. Allez. Vous voyez à droite, il y a plein de quêtes là. Y a... Tout ça, c'est des trucs à détruire en fait. Enfin, des. Ah non. Entrer dans le village d'Elder. C'est ça, non? Je prends rien.
Ah, c'est bon, 10 sur 10. Très bien. Alors, on termine. J'accepte, et après, moi, on se fait la tour de guet en mode difficile, même si on n'est pas. On est niveau. On est juste au niveau. Okay. Peut-être on est en rouge parce qu'on est dans un lieu de combat, peut-être, c'est pour ça. Ouais, peut-être. Je t'ai invité là ? T'es venu ? Ouais, c'est bon. Vous êtes mignon. Très bien. Bon, les games, un petit donjon, yes. Ça fait plaisir. Ça nous manquait. Oh ! Ah, il s'est cassé les têtes. Oh, mais. Ah, mais c'est Tokar ! C'est un des premiers boss. Tu te rappelles ? Ah, ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est le premier. Oh, là, on s'est dit, oh putain, mais il doit avoir une armée de petits trucs à boost. Il est revenu pas content. Ouais, pas content. Ah, les verts. Ah, mais ils ont un flingue maintenant, ils ont un flingue, ils ont. Oh. Oh, regarde, ils ont des flingues. Non, c'est pas des flingues, c'est des bouts de bois. Ouais, oui. Et les singes. Oh, très bien. Ah, il y a des pièges en plus, d'accord. Ah, ouais. Ça nous fait prendre des dégâts. Ouais. Ah, mince. Bah, je pense que c'est vu qu'on est dans une tour de guet, logiquement, c'est l'endroit où tu vas assaillir, donc ils ont des pièges partout. Ça reste logique. Oh, il y a du feu là, je sais pas si. Ils ont des bâtons de feu en fait. Ah, tu as mêlé sur le dessus. Ouais, c'est le dernier qui reste. Ouais, il a l'air d'être assez costaud en plus. Ah, c'est bon. Ah non, il y avait des trucs en haut. Bon, tant pis. Très bien. Pas mal. Alors. Ils sont quand même plus costauds, hein. Ça rigole moins qu'au début de game. Il y a un petit singe qui fait son vicieux. Mon petit gars, je t'ai pas vu. Ah ouais, le singe, il est sympa. Je t'ai pas vu. Il me balance des trucs, non? Ouais. Très bien. C'est bon, tu l'as eu. Ouais. Et toi? C'est bon. Ah oui. Mais par terre, il prend pas de dégâts, tu sais. C'est le mort. Ils sont quand même assez résistants, j'aime bien quand les gens me résistent comme ça. Voilà, le jeu. Pas les trop durs, mais trop durs on perd donc. Ah, les cartes Guillaume, attends. Voilà. Une carte. Bon, je te laisse, c'est plus grâce. Triple tir. Ah, c'est bon. Ah, y'en a un en haut à gauche. Ah, ce. Voilà. Il fait rien, tu sais. Il est en mode. J'attends. Oh. Quoi? Une pierre du magma. Une pierre quoi? Regarde, ah, c'est la pierre du magma. C'est la pierre de Groudon, l'orbe rouge. Danger, ah, Tokar. Et Tokar, il prend bien son nom. Tokar, hein. Il veut. Il veut sa revanche. Le pauvre petit. Mais bon, il va pas. Allez, les gars, allez, j'aime ça quand ça. Oh oui, monsieur. Oula. Fusion. Pas d'ultime. Oh là 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 là! Ils savent plus ce que c'est, les singes là, ils savent plus où aller. Ils se disent, elle est où la banane? Elle est où la banane? Elle est où la banane? Attends. Allez, on continue. Allez, on continue. On s'arrête pas. Oh, c'est les parents, ils passent après. Allez! Oui, c'est bon! Non, c'est bon. Si, c'est mais bon. Il est mort là. Ah, il ressuscite. Ah, mais il y a un singe. Ah, il y en a un autre même là. Pourquoi il se. Ouais, il change sur les bananes. Ah, mais c'est ça. Punaise. Quelle folie. Quelle folie, vous déjà. Ah, il est encore là-bas. Ah, ouais. Ah, oui. Je sais pas que c'est un singe. Attends, faut grimper. Moi, j'ai le vertige, les gars. C'est les singes qui grimpent, c'est pas nous. Putain, pourquoi c'est tout rouge? Je crois que c'est les pierres du magma quand tu la prends. Oula! Oula! Dans les objets, des fois tu prends. Tu sais, il y a plein d'objets. Ouais. J'ai remarqué que quand tu touches la pierre, une pierre qui est un peu orangée, un peu comme une. Elle ressemble à la pierre ambre un peu. Bah, ça fait qu'on est tout rouge. Enfin, ça fait que l'écran devient rouge. Je sais pas ce que c'est par contre. Alors, ce que ça fait après, il faudrait un petit peu analyser. Alors, le tocard! Super Saiyajin! Allez! Oh, ouais, j'adore cette musique, elle est trop bien. Ah, ouais, bien, ouais. J'adore trop. Non, on se bat sur les maisons, c'est pas trop calme. Ouais. Enfin, je suis plus en mode de Saiyajin. Allez, allez. Alors, pose le petit droïde qui va faire des dégâts. Oui, on aime ça. Il va attaquer là. Ouais, il va attaquer. Ouais. C'est
c'est pas grave, j'ai une potion, au pire. Il est dégueulasse. Attends. Ouais, c'est pas mal. Il va attaquer à gauche, il va y arriver. C'est trop bien ton robot. Ça, tu poses comme ça, c'est un peu une tourelle qui fait le taf. Ouais, enfin, elle... pas tout le temps, mais. Ah, c'est vrai, elle est détruite, ouais. Je crois qu'il y a un time dessus. Ouais, je pense pas. Ouh, dégage, punaise! Oh putain. J'ai eu peur quand même un peu. Ouais. Oh! Oh, je m'attendais pas, y'avait même pas de danger. J'en ai un danger. Mais... Attends, je bats le petit singe à côté. Allez, on continue, on continue! Voilà, c'est bon. Il est encore là? J'ai peur parce que il charge un peu de manière aléatoire. Ouais, mais c'est ça, le truc, c'est qu'on a pas non plus fini de vie. Allez, on va amener ça et ça va le finir. Allez, on continue, on continue. On le charge. Qu'est-ce que ça devrait faire? Ouais, on cherche pas à comprendre, donc on peut pas attaquer. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Oui. Super. Yes, excuse de tocard, tour de guet difficile. Super. Donjon punition, c'est pareil, c'est sympa celui-là. J'en transpire des tétons là. Ah, c'est fou. Ça rend fou. C'est fini? Oui. Et nouveau niveau en plus. On rappelle la reine des Nazod, oui, bah. Oh, elle a pris son familier dans les. Dans les mains? Ouais, c'est ça. Ok. Sympa, sympa. Quitter. Bon, ben, on va voir les points de compétences, les équipements et tout comme ça, et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, le portail est temporel, il est tout ouvert. Voilà, c'est bon. Ça aussi, on pas trop ce ça. Mais c'est joli, c'est joli. Alors, l'inventaire, moi je peux le remontrer vite fait, parce que j'ai pas fait en détail. C'est vraiment très bien, on va dire, trié de base, parce que des fois, certains jeux ils trient pas, c'est nous qu'on doit faire notre propre tri dans notre inventaire, qui est certes plus grand, mais là, c'est divisé en plusieurs compartiments si on veut. Et voilà. Et après, je pense que. On pourra racheter, les cases, elles sont grises là, grises foncées. Ouais. Je pense qu'on pourra plus tard, ou sur les niveaux, débloquer les carrés pour avoir plus de place. Capacité, ouais. T'as vu le nombre de points de compétences qu'on a gagné? Je pense beaucoup, alors on va voir. Moi j'en ai 11, peut-être il m'en restait un tout à l'heure, je sais pas. Compétences, j'en ai 6, bah, j'ai déjà départagé avant par hasard, je pense. Ah, ok. Oh, mais on a une nouvelle compétence. Ouais, c'est ça que je voulais voir. Ah, très bien. Emblème des ténèbres ou emblème punitif. Ah, j'aime bien ces mots. Alors, la première. C'est qu'en fait, c'est si tu attaques ou que tu es touché, tant augmente l'obtention de PM lors des touches. C'est pas mal ça. Et l'autre, augmente tes dégâts critiques et diminue la probabilité de subir un coup critique. Et surpasse à leur emplacement. Je préfère ça quand même. Pas être blessé par l'esquive. Transforme tes gravitons en javelot que tu lances sur tes adversaires. Sur la trajectoire, il projette des décharges qui inflige des dégâts supplémentaires. Ah punaise, j'hésite en fait. Tu esquives vers l'arrière et laisse sur place à leur emplacement. Par contre, ce qui est chiant, c'est que je vais devoir sacrifier. Ah non, je peux la mettre ici ou pas? Ah, pour la place? Ouais, ah non, je peux pas la mettre ici. On peut en avoir que 4 en fait. Ouais. Bah, faut se dire laquelle est moins intéressante. Ah non, tu peux aussi l'utiliser dans le case raccourci à gauche. Ah ouais? Pourtant qu'on le met. Non? Sinon? Mais il me dit rien en fait. Je vais voir. Enfin, je peux pas le mettre quand je glisse. Ah ouais, non, bah, peut-être que là on est en train de. Ouais, je sais pas. Donc soit c'est 10. Aïe! Ah, c'est toi, justement. Ah non. J'ai eu peur. Non, je pourrais mettre en pause, bon, en même temps, c'est normal, ça. Chier. Voilà, ça. Y'a pas de pause, hein. Tu te rends invisible, le camouflage est annulé si tu attaques que tu es touché. C'est quoi ça aussi? Flamme diabolique. En attaquant, tu vas avoir 3 flammes démoniaques qui renforcent tes prochaines attaques. Sauf hyper compétence et spécial actif. Ah, ils appellent ça une hyper compétence. D'accord. Ouais, bah j'essaie de débloquer ce machin aussi. Si ah, ok. Attends, j'ai un truc, c'est genre le camouflage est annulé si tu attaques ou que tu es touché. Mais tant que tu es camouflé, tu ne peux pas être blessé. Ça veut dire que tant que je fais rien, bah je suis camouflé quoi. Genre okay. Je peux passer. Bah, c'est pratique pour temporiser, on va dire. Ou genre, ah oui, c'est pratique pour si jamais il y a un boss qui fait une grosse attaque, tu fais camouflage et il peut pas te toucher. Logiquement. C'est ça que ça veut dire. Ah hein. ouais exact. Je pense. Ah ouais. Bon allez, on va essayer ça. On va essayer de toute façon, on va essayer de voir en off un peu pour les disposer et puis pouvoir les faire parce que c'est intéressant. Là on commence à voir au niveau 15. Vous voyez, on est que au niveau 15. Hein. On peut quand même avoir une vaste, on va dire, un vaste choix de compétences et c'est plutôt cool. C'est vraiment plutôt cool.
Ouais. Qu'est-ce qui me... Arrête de me faire chier. Laissez-moi droguer. J'ai rien fait. Voilà. Eh ben écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Oh non, duo de bandits. On va s'arrêter là avant de se faire défoncer. Alors on y est tout à l'heure. Alors là, vite. Ah, il faut qu'on fuit. Milieu, attention. Non, non, ça va, je suis bien. C'est bon, je crois pas qu'il vienne vers toi. Il vient vers toi. Donc voilà, et on peut toucher encore vite fait deux mots. Donc sur le concours, hein, on vous le rappelle. Ah oui, le concours, ouais, exactement. À participer. On participe, on vous le rappelle. Donc vous serez pas tout seul. Et c'est sur le site. Le site est dans la description, comme voilà, d'habitude. Exact. N'hésitez pas, voilà voilà, ciao ciao à tous, oula il y a tout ce qui se passe sur l'écran, voilà c'est très très bien, ciao ciao, allez bye. À la prochaine, ciao.